Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire des donuts kawaii. Kawaii ici même, à se taper les fesses par terre. Ça va être girly, je crois que les couleurs seront pastel, rose, bleu. Moi j'aimerais bien avoir des vermicelles dessus. Alors on va peut-être ajouter en plus des vermicelles pour que ce soit encore plus gourmand. Oui. En plus ça va être un peu comme des licornes. Mais sans la... Ah non. Sans la corne. Non, ça c'est des donuts normales avec les joues rouges et tout. Vous avez compris? Est-ce que vous voulez la recette? Oui. On y va? Suivez-nous, c'est parti. Pour la pâte aux donuts, il nous faudra du beurre fondu, du lait, 3 œufs, de la vanille, du sucre, de la farine, de la levure et des moules en donuts. Je commence par casser les œufs. J'ajoute le sucre et je fouette 10 minutes. Le mélange va vraiment très épais de moulin. J'ajoute le lait et le beurre. Et je fouette à petite vitesse. Et j'ajoute la vanille. Et je termine avec la farine et la levure. Je verse la pâte dans mon moule beurré. Et ça part au four. Pour la décoration, il nous faudra 2 bols chocolat qu'on a colorés, des vermicelles, de la poudre alimentaire et un feutre alimentaire. Je trempe mes donuts dans le chocolat. Je le pose sur du papier cuisson. Je mets bien sûr plein de vermicelles. Et je laisse chauffer 20 minutes au frais. Quand c'est bien sec, je fais les yeux, la bouche et je termine en faisant les joues. Et voilà, les donuts kawaii est terminé. Je vous ai dit qu'il a des joues roses et il m'a rajouté des vermicelles. Ils sont trop mignons. On va les attendre. Hein. Attendre quoi? Papa et Mathis c'est... Voilà. Bah mange tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et voilà, les donuts kawaii est terminé. Ils sont trop bons, ils sont hyper moelleux. Pourquoi tu me coupes la parole? Pardon. J'espère que cette recette vous a plu, des donuts kawaii. Et si elle vous vraiment vous a plu, mettez le compteur des pouces bleus. Ciao. On vous aime pas.